Après le camouflet à Albert Domecq, Patrick Millet, directeur de Mont-de-Marsan, revient à la performance de sa famille. L'entraîneur reconnaît également la qualité du jeu carcassonnais lors de cette réunion. Vous avez évolué avec un vent favorable au cours de la première période. Un 31er joueur que vous n'avez pas maîtrisé du tout? Non. L'équipe a pu maîtriser le vent qui l'a emporté. Et je pense que Carcassonne a parfaitement contrôlé cet élément. Équipe de niveau qui prétend faire des étapes finales. Nous avons rencontré une très belle équipe de Carcassonne pilotée par un excellent Samuel. Marc, jouer aussi bien contre et avec le vent. En plus, nous avions préparé ce script toute la semaine. Samuel Marquessa était précieux pour le Carcassonnais. Icon Sport, qu'est-ce qui a raté cette équipe du Mont-de-Marsan aujourd'hui? Tu n'as pas pensé à un vide? Oui, nous retournons à un blanc avec 0 point. Nous sommes engagés dans le sprint final. Nous nous tenons dans un mouchoir de poche avec 5-6 équipes à part Oyonnax qui est en grande partie devant. Je dirais que la seule bonne nouvelle ce soir est peut-être la défaite de Grenoble dans Angoulême. Comme celle qui joue à l'entretien. Ils sont formidables. Et quand je vois la performance de Carcassonne ce soir. L'USC n'est pas une équipe qui joue la maintenance. Carcassonne a donné une leçon dans un stade de Montaille totalement absent. Comment expliquez-vous cette défaite? À partir du moment où sommes pris sur tous les principes fondamentaux que nous sommes mis en difficulté. Nous sommes pris dans tous les secteurs. Carcassonne nous a également donné une leçon de pragmatisme. Simple. Carcassonne voulait se battre avec le stade Montroux. Avec le bistrot Mametta, la défaite de Montois sur la pelouse des Carcassonnons a augmenté. Concentrez-vous maintenant sur le derby à venir, U27 à 1 Biarritz le 24 mars. Hashtag ici à l'orgbikin croisillon. Prod 2 hashtag rugby hashtag USSMR pic. Twitter U6LV9GSUII, Stade Montois rugby 17 mars 2023 entre la deuxième place et le sixième. Il y a peu d'écart. Suivez-vous toujours une demi-finale ou un barrage à domicile? Aujourd'hui, nous ne devons pas parler des étapes finales. Attendez-vous une réaction de vos joueurs la semaine prochaine contre Biarritz? Une réaction, oui. J'espère que nous ne sommes pas une équipe de réaction, serait une honte. Si nous étions une équipe de réaction, ce serait suffisant. Je pense que Carcassonne a géré la réunion. À notre côté, nous n'avons pas trouvé de solution. Carcassonne a fait le travail. Pour le stade Montois, il était inexistant. Pas digne d'une équipe du haut de la table.